nous avons ce système de facturation qui déjà n'est pas clair. Et du jour au lendemain, la SB2E se décide d'augmenter les tarifs de facturation. Une augmentation du coût de l'électricité peut avoir quoi comme conséquence? Nous nous basions déjà sur la promotion de la consommation locale. Et ce à quoi sont conviés beaucoup de jeunes aujourd'hui. Si ces entreprises ou ces jeunes produisent aujourd'hui avec ces nouveaux tarifs, ça veut dire qu'ils vont imputer les surcoûts aux consommateurs que nous sommes. Je puis vous garantir que s'il y a augmentation des tarifs de l'électricité, ça va impacter le secteur de la santé. Parce que les hôpitaux voudront augmenter leurs coûts de prestation. Déjà, nous sommes dans une situation où très peu de consommateurs aujourd'hui se hasardent à aller vers les hôpitaux pour des raisons pécuniaires. Une augmentation du coût des soins sanitaires ne ferait que les en éloigner davantage. Alors, nous nous disons, il faudrait de façon formelle que les personnes ressources de notre pays puissent participer à un forum que nous sommes en train d'organiser afin d'étudier la question fondamentalement et de proposer des alternatives à la SB2E et au gouvernement du président Patrice Talon.